Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un jeu mobile et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est encore une fois du roleplay parce que c'est le thème du moment. Mais tout d'abord les petits potes, avant que la vidéo commence, surtout n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like parce que de une, ça soutient la chaîne et ça soutient la vidéo. De deux, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas louper les vidéos parce que, faut pas les louper en fait, elles sont grave bien mes vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à venir dans les commentaires des jeux que vous voulez que je teste ou bien même votre avis sur le jeu que je vous présente. Bon les tipotes, avant d'aller faire du gameplay, on va se regarder le trailer pour voir ce que le jeu nous propose. Ce jeu est sorti en 2022, donc c'est pas un jeu qui date de belle lurette, ok? Ok, donc du coup, nous voilà sur le trailer de One State RP, le MMORPG Sandbox, Android et iOS, le trailer. Allez, c'est parti, on se mate tout ça ensemble. Moi, je baisse le son. Ok, donc ça nous propose des véhicules, des PNJ, des tanks, une nouvelle fois, pourquoi pas. Ok, donc a priori, c'est un open world. Il y a des voitures de luxe, ok, il y a des hélicoptères, des armes. Ok. Ça serait un jeu mobile, hein. Ok. Donc du coup, on est sur du One State. Ok, la bande-annonce dure 30 secondes, je pensais qu'elle durait plus longtemps que ça, je l'avais même pas regardé pour vous dire. Ok, donc déjà on peut voir qu'il y a de la voiture sportive a priori. On peut voir que dans le mode RP du coup, car c'est un jeu 100% RP, il n'y a pas d'autre mode, on voit le niveau des joueurs et leur nom et prénom. Ok, donc c'est plus un mode online a priori du coup dans ce sens-là, parce qu'en RP t'es pas censé voir le nom des gens. En termes de PNJ a priori il y aurait des bus et tout, par contre un tank, je sais pas ce que ça fout dans un jeu pseudo RP, mais bon, ok, pourquoi pas. En bas, on voit la vitesse, la vie, je sais pas ce que c'est, le pourcent, ça c'est l'essence du véhicule, ok. Les boutons, bref, on va aller découvrir tout ça après ensemble. Ils ont, j'ai pas envie de dire ça, mais ils ont un peu copié sur GTA là, enfin, sur une grande partie des choses, mais le fait de mettre en gros le nom de la ville, ouais, tu me diras, GTA a copié un peu les États-Unis. Ok, donc là, il y aurait des guns, il y aurait des rassemblements de véhicules, de luxe. On voit beaucoup de scooters blancs, a priori. Hein. De l'hélicoptère, ok. On va voir ce que ça donne, les gars. On va aller checker tout ça ensemble. Du coup, les tipotes, nous voilà sur One State Roleplay. Alors, je tiens à vous informer, avant qu'on commence toute la vidéo et tout, j'ai mis genre au moins 25 minutes pour télécharger le jeu. Alors que d'habitude, ça met genre 5 à 3 minutes, je crois, maximum. Là, j'ai vraiment mis du temps. Le jeu me paraît très, très volumineux, enfin, du moins très lourd. Donc, j'espère qu'il est vraiment bien graphiquement parlant. Parce que un jeu qui met du temps à télécharger comme ça, c'est souvent qu'il a beaucoup, beaucoup de ressources. Jusqu'à maintenant, les gars, ce que j'ai fait, j'ai sélectionné ma région. Donc là, j'ai mis EU, je me suis créé un compte. Le truc qui pue, c'est que tu peux pas créer ton compte avec ton compte Facebook, ça te dit que c'est pas possible. Et avec Discord, ah, j'ai un peu peur. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai créé une adresse mail et j'ai créé un compte avec l'adresse mail que je viens de créer. Comme ça, je suis safe. À 100%, j'ai mis aucune vraie info. En termes de graphisme, on va tout mettre en extrême, en vrai. On va tout mettre en extrême. Les commandes, l'HUD, j'ai l'impression qu'on va pouvoir le modifier. Même pas. Wesh. Custom. Ok, bon, ok. Sound, ça, j'ai baissé. Extra. Dianoxic. Ok. Bon, bref. Ok. Ça, c'est les paramètres. On s'en compte. Allez, on fait connect, donc du coup qu'on voit qu'en Europe, il n'y a qu'un seul serveur, il n'y a que 5 joueurs pour le moment. Europe, ça veut dire toute l'Europe, hein. C'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas de français, je serais peut-être le français. Voyons ce que ça donne, c'est des serveurs qui peuvent monter jusqu'à 500 joueurs. Ok. J'ai baissé et j'ai complètement coupé le son de la musique parce que honnêtement, elle m'a cassé la tête. Donc là, s'il n'y a pas de musique, c'est normal les gars. Allez, on peut choisir son personnage pour commencer, on a le choix entre John, Michael... Carlos, Eva, Nancy, Emily. Carlos, il a plus de charisme. On va prendre Carlos. Ok, l'âge. Moi, j'ai 25 ans. Pas 26, 25. Ok. Entrée full name. Ah, bah tu sais quoi, regardez. En vrai, les gars, je me prends pas trop sérieux sur ce jeu, ok. Qu'on soit franc. Honnête. Je m'appelle Psy. Et de nom, Trag. Voilà, ça... C'est créatif, les gars, je vous le dis. Hein. C'est de la pure créativité, ce que je suis en train de faire, là. Hop. Merde, j'ai oublié le G. Oh, le tactile, comment il déconne sur le jeu. C'est même pas mon téléphone, hein, je vous garantis. Allez, side, trag. Et du coup, j'ai pris le skin de Carlos. Pourquoi pas. Allez, c'est parti, on crée tout ça. Welcome to the One State World. Ok, donc c'est un monde ouvert.
Les différents jobs qui sont disponibles, le bus, l'express bus, truck driver, taxi driver, ok. En termes de concessionnaire, on a premium standard, ok. Full immersion, on peut jouer avec des analogues, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter une manette pour jouer sans manette. Beaucoup me posent souvent la question. Communication, après ce serait la meilleure, et tout ce qui est violation et tout, ça serait du bannissement. Ok, ils veulent nous rassurer sur ça. Les settings, on l'a fait. Mais pourquoi ils me bloquent là ? Next. Ok. Les factions, du coup, il y a la police, les gangs et real estate. Pas compris. Je suis nul en anglais, les gars. Je suis vraiment nul. Hein. Mais ok. Là, ils nous proposent trois catégories. On peut rien sélectionner. C'est juste pour nous dire. L'HUD, donc on voit qu'il y a la map, le joystick, le truc pour courir. Bref, tous les boutons qui sont nécessaires pour jouer au jeu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller directement au gameplay. Voyons si on est surpris. Ok. Alors, du coup, on est sur l'interface, j'imagine. On commence avec 10 000 dollars. Ok. Talk. Donc, ça, c'est des missions, j'imagine. Ok. Donc, il y a des missions pour débloquer des boîtes. Il y a des missions. Il y a que des missions journalières. Le tutoriel également pour faire des missions. Ok. Le store. Qu'est-ce qu'on peut acheter ? Des ressources. Ok, bah y'a pas d'offre. Ok, et bah vous savez quoi, nous les gars, on va faire play. Ok, je vais baisser le son. Nous voilà du coup sur One State RP. Ok, donc ils ont plutôt bien géré le déplacement pour l'instant. C'est quoi ça? Tu peux le prendre? Ah, j'ai pas les clés du véhicule. Ok, donc déjà on peut pas voler les véhicules, ça c'est cool. Qu'est-ce que ça nous propose ici? Il faut payer. Ok. Ah, il y a la course automatique, ça c'est cool ça. Ok, let's go. Vroom vroom, voir la map comment est-ce qu'elle est? Elle est pas mal. Ah, on peut cacher les trucs qu'on veut, dont on n'est pas intéressé. Vas-y, taxi driver. Ok, j'ai mis un point sur le GPS. Le bruit me fait peur en vrai des véhicules. Hein. Ah ouais, il faut pas être pressé. Hein. Attends, il y a le chat vocal? Hola, hola. Hola, comment estas? A priori, il y a un chat vocal. Vu que j'ai un bouton. Me dis pas qu'il y a un frein à main sur le zip. Hein. Si, il y a un frein à main. Logique. Allez, vas-y, on va aller au point. Il n'y a pas énormément de PNJ, hein. A priori, ils se font rares. Hein. Par contre, la manière de conduire, elle est horrible. C'est vraiment très long. Putain, j'aurais dû mettre de l'argent pour avoir un véhicule. Bah ouais. On va aller faire un tour au concesse. Si là, le taxi me proposerait, on va faire tout de suite un tour au concesse et on va faire un tour de la map. C'est pas possible. Il y a des missions à faire, ouais. Mais genre, il n'y a pas de tacticiel. Il n'y a pas un truc qui nous dit aller là-bas pour commencer à faire une mission et tout. Ok, donc déjà on peut accélérer en conduisant, ça c'est cool. Gaffe les gars, c'est vraiment à la vitesse maximum que je roule. Hein. Faites gaffe, hein. Ça va vite. Hein. Let's go. Une conduite, t'as peur. Non, me dis pas que je suis bloqué là. Ah non, j'ai pris un raccourci. Nickel, boys. Eh, vas-y, je descends. Wesh, 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 wesh. Ah ouais, cascadeur dans l'arme. Ok. Allez. Ok, ouais, je vais mettre taxi. Get to work. Your level, ah faut avoir un niveau. Oh là là, mais qu'est-ce que je peux faire alors à mon niveau moi? Je peux être éboueur. Oh non, me dis pas qu'il faut tout traverser. J'espère que je peux être éboueur. J'espère vraiment. Allez, on va reprendre le zip, let's go. J'ai cru voir qu'il y avait un concert à côté, on va vite fait y aller. Par contre, c'est vraiment cliché hein, de commencer avec un zip, hein, je trouve. C'est vraiment très très cliché. Ouais, tu me diras, c'est une technique comme une autre pour éviter tout ce qui est écarqué là. Je trouve pas ça hilarant. C'est un concept ça ou pas? Surtout c'est même pas un concept là où je vais là. Du coup j'ai la minimap, vous la voyez pas, il y a la caméra juste devant mais premium. Ah si c'est un concept premium. Voir les prix que je rigole un peu là. 1 million 7. 12 millions. Mais ça doit bombarder, c'est pas possible. 25 millions. Eh ben mon pote on va en faire des livraisons poubelles. Hein. Eh ben mon vieux. Allez, let's go. On va aller au point. Allons faire notre premier job. Par contre, c'est fou, ils ont mis un effet sonore densité de PNJ. C'est-à-dire qu'on entend un effet sonore. Par contre, il n'y a aucun véhicule. C'est vide. Je sais pas si ça s'active, mais pourtant, en qualité, je suis en haut là, non? Moi, en qualité, je suis au maximum. Hein. Okay, donc, il y a des impacts. Je me dis pas que je suis bloqué. Non, c'est bon. Par contre, depuis quand un 50 cm cube, ça va à 30 km/h? C'est pas censé aller à 45? Ah. Ah, bah, on va bien à 45, ouais. Bon, ça, a priori, c'est pas plus loin que ce que je le pensais. Sinon les tupas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Non franchement là j'ai l'impression qu'il y a un écart entre le thriller et le jeu en lui-même. Hein. Peut-être qu'ils ont vu un peu trop grand là les devs. Ils ont fait une map hyper grande s'il te plaît. Elle est hyper grande la map. C'est une map t'as peur. Comment ça comment elle est énorme?
Par contre, point positif, j'ai pas l'impression qu'on voit les joueurs sur la carte. Et ça, c'est cool. Ça, c'est ce que de nombreux jeux devraient faire. Parce que souvent, sur les jeux mobiles, ils te mettent un truc sur la map et ça te dit où sont les joueurs. Et ça, c'est pas ouf. Par contre, faudrait vraiment que je teste un de ces quatre avec vous, les abonnés, ou avec une personne ou deux. Voir si le chat vocal fonctionne bien et de quelle qualité il est. Parce que ils sont bien bons de nous avoir mis un chat vocal, mais est-ce qu'il est opérationnel et comment il est opérationnel? Peut-être qu'il ne fonctionne pas du tout et qu'ils te vendent un chat vocal. Ah oui, on coupe à travers les gars, c'est bon, on est pas là pour jouer. On est là pour découvrir. C'est mon métier de découvrir des jeux mobiles où je fais du scooter. Ok, donc il y a un parking ici. C'est-à-dire je peux mettre mon véhicule dans le parking ou c'est genre je paye pour le sortir? Ok, bon a priori on peut pas mettre son scooter, c'est pas très grave. Puis c'est con parce que la map m'a l'air d'être vraiment grande hein, pour le coup. Hein. C'est pas une blague pour un jeu mobile. Hein. Bon, on roule sur le tour 3 les gars. Ok. Y a des coups. Zboom. Ok. C'est bon, je peux faire le job ou pas là? Putain, j'ai pas le niveau. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des niveaux, mon pote? On va faire des missions. Toc. Go. Y'a quoi d'autre comme mission là? Ouais, mais c'est que je parle. Ah, y'a un ping là. Ok, on va y aller. Je parle pas un mot anglais, les gars. Je suis dans la merde. Beb. Par contre, honnêtement, les gars, par rapport à d'autres jeux, mon téléphone est brûlant là. Donc, je sais pas si je devrais vous le recommander. Après, ceux qui veulent l'essayer, les gars, ça vaut risquer péril. Le jeu est disponible sur Google Play. Contrairement à certains autres jeux, normalement, Google Play aurait fait une pré-consultation avant de le proposer sur leur store. Mais bon, sait-on jamais. Ça reste un jeu mobile. Par contre, l'effet de rapidité, c'est pas trop ça, quoi. C'est quoi ça? Je peux couper le moteur? Mais non. Et là, je peux rallumer le moteur, genre. Là, j'ai coupé le moteur, ok. Là, si je fais ça... Non plus. Comment on fait pour redémarrer? S'il vous plaît. Genre, il y a des clignotants. Wesh, droite. Ok, gauche. Et pour démarrer, on peut ou pas? Déjà, je peux fermer mon véhicule, a priori. Open. Genre, je mets les warnings, double stationnement, ok. Et là, je redémarre. Mais wesh. Ils sont concentrés à faire ce genre de petits détails. Alors qu'il n'y a pas de PNJ. Si je coupe les warnings. Ok, c'est bon, j'ai coupé les warnings. Ok. C'est là qu'ils me disent, vous n'avez pas le niveau requis. Fuck. On va freiner. Ok. C'est quoi ça? Acheter du soin, c'est une mission. Ok, pourquoi pas. Y'a quoi d'autre comme mission? Moi j'aimerais voir une mission qui bouge là. Courrier complète, following number. Bah y'en y va. Hein. Let's go. Hein. Par contre, attendez, les conseils sont vrais. Star Taxi, ça c'est tous les métiers. Ok, on passe. Gas station. Véhicule market. Si on retire. Et où le conseiller standard là? Ah, il est en bas. Oh, flemme, on va aller à la mission. Je vous le dis, votre véhicule est fermé. Mais non. Let's go. C'est stylé, ils ont mis sur les panneaux de bus le logo de la ville. J'adore cette immersion entre parenthèses. Pas trop flagrant, c'est pas comme s'ils nous avaient mis un gros logo sur le jeu. Ah, quoi que si, ils l'ont mis en fait en bas à gauche. Je viens juste de le voir. Par contre, c'est pas que la conduite m'ennuie, mais elle m'ennuie de ouf. Je suis bloqué? Non, moi je suis pas bloqué, let's go. Vas-y, job courrier. Ah bah voilà. Ok, donc là du coup, je deviens livreur. Allez, je fais ma première course à pied, let's go. Pam palam pam, pam palam. Je suis trop charismatique quand même. Hein. Pam palam pam, pam palam. Coucou, c'est le livreur. Ok, let's go. Je vais prendre mon scooter, c'est plus rapide. Il s'est réveillé. Hello my friend. Hello. Wesh. Mais il est malade. Il veut me taper. La police, ça fait quoi? Attends. Ah, c'est pas mon véhicule. Ah, il avait essayé de prendre mon véhicule. Bébé. Bisous. Oh, l'enfoiré. Il essaie de me taper. C'est un gameplay très passionnant, les gars, quand même. Hein. Très, très passionnant. Si on peut livrer en scooter, ça m'arrange. Bonjour, c'est le livreur. Let's go. Bébé. Prochaine commande. Oui. Pour ça, je pourrais prendre le cut avec les escaliers ou pas, non? Après, vu la vitesse à laquelle je roule, je suis pas sûr que ça marche.
Mais si ça marche, je suis content. Je suis le plus heureux. Je suis le plus heureux, les gars, c'est officiel. Ok. Quartier asiatique. Ça, c'est tellement dommage, la map est grande en vrai en plus. Hein. Let's go! Dis-moi pas que je suis bloqué. Hein. Non, c'est bon, je suis pas bloqué. Let's go! Est-ce que je fais un jump? Wouhou! Let's go! J'en ai eu des frissons. Trop de sensations. Ah, il y en a 5. Tralalalalalalala. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est moi qui ai voldé. Ça, c'est du roleplay de qualité. Ça, je me croirais sur un serveur RP GTA qui te font faire les, toutes les misères du monde pour gagner 5$. Pam 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 pam. Ok, allez, la dernière. Sûrement. Peut-être pas aller monter. Attendez. Hop, on va faire la miniature maintenant. Bon, c'est dommage que le personnage il court H24. Hein. Hop, la petite capture d'écran qui fait plaisir. La pause sandwich. Nickel. Oui. C'est passé quoi là? Allez, let's go. Allez, accélère. Freine. Voilà, mission réussie, let's go. Allez. Ok, j'ai reçu ma paye. Let's go. Franchement, je kiffe découvrir des jeux. Je vois qu'il y en a plein qui s'en fait plaisir, dis donc. Peur te loupe pas. Eh bah, tu oublies ta casquette. Ok, bon, ça veut dire qu'il y aura peut-être des véhicules pas trop chers, a priori. Wesh, le bas de gamme c'est 50 000. 150 000. Wesh. Bon, en vrai le jeu, il peut avoir du potentiel. Par contre mon téléphone est brûlant, je vais pas pouvoir continuer à y jouer. Mon téléphone est brûlant. Pourquoi il court? Pas la démarche. La démarche du loup. Ok, bon. Open world, ok. PNJ, non. Mission, relou, mais je pense qu'une fois que tu les as faites. Roleplay à tester. Parce que là, en vrai, pour le coup, j'ai pas pu tester le roleplay, y a pas de joueur. En vrai, les gars, je suis vraiment désolé de vous faire subir ce genre de truc, mais c'est pas de ma faute. Hein. Moi, on me demande de faire des jeux. Après, c'est pas parce qu'on me le demande que j'ai tout en jeu. Hein. Ma vie, les gars, donc bon. Faisons le joueur lambda qui essaye lambdainement pour vous montrer comment ça se passe avec des critiques objectives. Et donc là, si je vous dis que le jeu, c'est de la merde sur ce point-là, c'est de la merde sur ce point-là. Je l'assume totalement. Et peut-être que je me trompe sur le reste de la ligne. Hein. Peut-être que le jeu, peut-être qu'il pourrait être vraiment cool avec des joueurs et tout, sans avoir un sérieux roleplay, mais moi, discuter avec des gens, se taper des délires, des courses et tout, pourquoi pas. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour le moment. Après, bon, on va pas se cacher, les PNJ, ça bouffe de la ressource, hein. Que ce soit sur le serveur comme sur votre jeu. Non, on reste sur téléphone. Faut pas que je me compare à un jeu PC ou encore moins un jeu console. Hein. Là, vous avez vu, n'empêche, le nombre de recoins qu'il y a, le nombre de bâtiments qu'il y a. Bon, c'était plus rapide que ce que je le pensais. Je voyais la map quand même beaucoup plus grande. Ça fait quoi si je saute? Ouais. Je suis rentré dans le shop. Attends, j'ai pas demandé de changer de personnage. J'ai demandé de changer de tenue. Wesh. 2 millions. Wesh, là, c'est, par contre, c'est tout pour la moulin. Hein. Tu peux même pas genre changer de t-shirt. Ah, c'est genre des personnages rares. Genre casuel, rare, légendaire. Les gars, c'est la première fois que je vois sur un jeu que pseudo roleplay, tu vas avoir un personnage et il soit légendaire. Genre, on dirait que c'est des Pokémon, des brawlers, le bordel. On en trouve sur Brawl Stars. Ok, bon bah c'est pas vraiment un shop, je suis déçu. Pourtant le jeu est... Il fait de la méditation, on va laisser méditer, ok les gars.
Bon, bah les petits potes, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire. Nous, on se tient au courant très très rapidement pour de toutes nouvelles vidéos. J'ai des annonces à vous faire également sur YouTube, donc on se tient très très vite au courant, que ce soit sur Discord, sur YouTube et même TikTok. Et puis sur ce, les petits potes, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était Psytrag. Bye bye.